tout le monde les gars, c'est Rka pour la vidéo, on se retrouve pour le débrief. Marseille-Lyon. Lyon-Marseille plutôt. Défaite, 4 buts à 2. Catastrophique, match de Gustavo. Strootman a été pas loin d'être catastrophique. Tchaïtatsar n'a pas été bon non plus. Toute l'équipe n'a pas été bon. Tora a mis un but. Clinton NG met un but mais il se blesse quelques minutes après. Mitrou l'a fait une mi-temps, on peut pas lui en vouloir, il a pas eu trop de ballon. On peut pas dire qu'il a été bon, on peut pas dire qu'il a été mauvais entre les deux. Le score est sévère, mais la défaite est logique. Deux défaites d'affilée, ça fait mal, Coupe d'Europe. Et en championnat, Lyon c'est le contraire, c'est le bonheur absolu, gagne contre City, gagne contre nous. Donc voilà les gars, cette vidéo va pas durer longtemps. Bertrand Traoré qui met un doublé. Moussa Dembélé qui est rentré, il a pas été bon. Moussa Dembélé, il a pas été bon. Donc voilà. Donc là, les gars, c'est pas mérité. Le score n'est pas mérité, mais la défaite est méritée. Voilà. On va pas se cacher sur l'arbitrage, mais j'ai quelque chose à dire sur l'arbitrage vidéo. Sur le penalty de sur Bertrand Traoré, sur la faute de Strootman. Il me semble que c'est Strootman qui fait la faute. C'est un contre-attaque pour Marseille, Sanson qui est là-bas, il me semble que Turpin arrête un peu le jeu et qui met le doigt sur ses oreillettes et qui montre le cadre, voilà, la vidéo, il accorde un penalty. Le gars il a mis 2 minutes à accorder un penalty. Même moi, ça a été très très long, ça a gâché un peu le jeu. Donc voilà. C'est mérité, on perd. C'est mérité, on n'a pas été bon. Il y a senti un peu de fatigue par rapport à jeudi. Faut pas se cacher derrière ça, parce que l'année dernière, on a joué tout le temps jeudi. On a été loin en Europa League, du coup, on a joué plus longtemps. Plus de matchs, on a joué plus de matchs que Paris. Hein. Ouais. Plus de matchs que d'autres clubs. Voilà. Marseille était un des clubs en Europe à avoir fait plus de matchs dans une saison. Ne comptant que les matchs officiels. Voilà. Bon bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, on perd. Thauvin qui met un but. Payet et Thauvin, c'est les meilleurs buteurs et passeurs. Payet est le meilleur passeur, Thauvin est le meilleur buteur. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Jean-Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Oh